Yo les potes, Sensq, nouvelle vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des petites vidéos news comme ça ou leak ou concept, mais on va en faire une aujourd'hui. Donc on est sur le TikTok de Fortnite compétitive. Donc c'est pas Fortnite officiel, en tout cas je ne crois pas. Ils ont 400 000 abonnés, mais voilà. Et donc ils ont sorti une vidéo. Elle tourne un petit peu en ce moment sur Twitter, etc. En gros, ce serait un concept pour pouvoir créer son propre skin Fortnite. On va regarder la vidéo après, vous inquiétez pas. Juste pour info, j'ai zoomé au max, mais je peux pas zoomer plus parce que sinon la vidéo se réduit. Donc c'est le max que je peux mettre pour la qualité. Mais du coup, le concept, ce serait de créer son skin. Donc on va voir comment ils l'ont fait, vous allez voir après. Mais honnêtement, déjà ça, c'est un truc que je veux absolument et je pense que plusieurs personnes le veulent, pouvoir créer son skin sur Fortnite. Mais il faudrait qu'ils fassent un vrai truc Epic Games. Faut pas qu'ils mettent tous les habits qu'il y a déjà sur d'autres skins, faudrait qu'ils mettent des nouvelles choses, etc. Donc voilà, on va regarder tout de suite. Donc c'est parti. Donc déjà, premièrement, vous pouvez le voir, ça serait dans le casier en gros. Et après, pourquoi pas le faire pour tout, pour les outils de collecte, pour les planeurs, etc. Pour les danses, on pourrait tout créer, mais déjà, on va partir sur les skins. Voilà, on va pas se compliquer la tâche. Donc il l'aurait mis dans le casier, vous pouvez le voir ici, l'icône. Ça sera 2000 V-Bucks, donc c'est le concept évidemment. Ça pourrait être plus ou moins, ça dépend. 2000 V-Bucks, je pense que c'est bien parce qu'on le crée nous-mêmes, donc c'est vrai que faut que ça en vaille la peine. Donc voilà, c'est parti. Hop, donc là il clique. Premièrement, donc il nous demande de choisir le genre, donc masculin ou féminin. Donc là, la fille et le garçon, donc ça, ok, logique. Sauf que là, c'est un peu mal fait. Enfin, c'est bien fait pour un concept, mais Epic Games, ils pourront mieux le faire, évidemment. Donc voilà. Hop, donc là, il choisit le garçon. Et ensuite, regardez. Encore une fois, c'est pas ultra bien fait, mais c'est le concept. Et encore, je trouve que c'est pas mal. Donc le skin, j'avoue, il est un peu chelou avec sa tête en plastique. Mais regardez, là, on pourrait choisir la tête, les cheveux, un chapeau accessoire, le corps, les bras, les jambes. Donc c'est super sympa. Mais moi je pense si ils font ça, faudrait qu'ils nous mettent encore plus de choses. Vous voyez, qu'on puisse custom vraiment tout ce qu'on veut. Cheveux, sourcils, œil, nez, bouche, oreille, forme du visage, la petite capuche, les bras, les gants, le corps, les jambes, la ceinture, enfin vraiment tout. Alors là, du coup, c'est pour les cheveux. Hop, il nous montre, il y a les couleurs en bas. Il change là, vous voyez. Là, il a trouvé un petit peu les trucs. Regardez, ça c'est la coupe du plongeur, ça c'est la coupe du clown, ça c'est Jonesy du bunker. Enfin voilà. Ensuite, il montre qu'on peut changer la couleur. Hop, en bleu, par exemple. Ensuite, là, dans les chapeaux, il y a un chapeau de cowboy, le chapeau du soldat, des petites lunettes. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est super sympa. Après, il nous montre vite fait le torse. Tout ça, c'est des concepts, je rappelle, mais c'est super sympa. Le torse chevalier noir, chevalier normal. Hop. Donc voilà. Donc c'est une petite vidéo assez courte. Donc j'espère que Fortnite vont voir ça. Et peut-être que c'est déjà prêt pour eux et ils l'ont déjà envisagé. Mais j'aimerais vraiment qu'ils le fassent. Il faudrait qu'ils fassent un truc super propre. Pas avec des habits qu'il y a sur les skins. Parce qu'il y a déjà des sites, je sais pas. Je vous les mettrai peut-être en description, mais j'ai oublié. Mais il y a déjà des sites où on peut créer son skin Fortnite. C'est plutôt bien fait. Il y a filles, garçons. Mais c'est pas en jeu. Mais c'est très très bien fait. Mais il faudrait pas qu'ils fassent ça. Il faudrait qu'ils fassent des nouveaux habits, etc. Comme vous voyez le jeu Les Sims 4. Ben, ils prennent comme dans si quand les, comme, pardon, comme dans Les Sims 4. Enfin voilà. Donc j'espère. Enfin, en gros, plein d'habits, etc. Qu'on puisse tout personnaliser. Un truc bien complet pour qu'on ait notre skin à nous. Donc voilà. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique, ça me ferait ultra plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Je vous remets la vidéo en entière sans que je parle vite fait.